Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Déjà, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo parce que là, j'ai le taf juste après là. Mais bon, je voulais te faire une petite vidéo pour t'expliquer un peu plus mon intérêt de ma chaîne secondaire parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens se posent des questions. Il y en a, ils ont peur de certaines choses. Mais y a pas de souci, d'accord? Je suis là pour éclaircir un peu tout ça et t'exprimer mes projets et la ligne directrice que je vais suivre sur cette chaîne YouTube là, Dame Jordan tout court. Déjà, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, Dame Jordan, et à t'abonner sur la chaîne YouTube secondaire, Dame Jordan Training. C'est important. Je vais commencer par ma chaîne YouTube secondaire, parce que c'est le plus simple. Ma chaîne YouTube secondaire, Dame Jordan Training, c'est une chaîne YouTube dédiée au programme d'entraînement. D'accord? Ça veut dire que tous les programmes qu'on a fait ensemble, dans la chambre, au garage, dehors et tout, tous ces programmes-là, et ben le type, le format-ci sera sur l'autre chaîne YouTube, ok? Dame Jordan Training. Les programmes qui sont sur ma chaîne YouTube principale, ils vont rester. Et je vais pas les supprimer, je vais pas les archiver et réuploader, je vais pas faire ça. J'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire ça, ok? Sur la chaîne YouTube secondaire, là, j'ai de la chance, comme je passe en salle de sport, d'avoir accès aux locaux pour faire des vidéos et tout. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Je remercie mon manager par rapport à ça. D'ailleurs, là, mes vidéos, salut. J'espère que tu vas bien. On se voit tout à l'heure. Et puis voilà, ça va bien se passer. Je vais faire plein de contenu dans cette salle-là. Je vais faire plein de trucs. Je vais faire plein de vidéos. Et j'espère que ça va t'aider. Okay? Et petit rappel, dans ces vidéos-là, il y aura tout ce que tu aimes, tout ce qui a marché. Et même ce qui a le moins marché, moi ce que j'ai envie de faire, c'est des programmes. Ok, c'est une chaîne Dame Jordan Training. On va faire des trainings ensemble. Que ce soit de la prise de masse, que ce soit du maintien musculaire, du renforcement musculaire, des HIIT pour brûler, je vais tout faire sur cette chaîne YouTube là. Histoire d'avoir une chaîne dédiée à des programmes. Histoire à que tu dises, voilà. Dame Jordan a une chaîne YouTube où voilà, il parle un peu de tout de rien et une chaîne dédiée aux entraînements. J'ai envie de m'entraîner, je vais aux entraînements. J'ai envie de me divertir, l'écouter dire des conneries, j'ai sa chaîne YouTube principale. D'accord? C'est dans cette ligne directrice que je veux aller. Au niveau du projet qui va accompagner à la chaîne YouTube secondaire, des accompagnements que je vais faire et que je vais proposer, ça sera à part. D'accord? Ma chaîne YouTube Dame Jordan Training sera entièrement, pardon, gratuite. Elle sera gratuite. Tu vas dessus, tu fais tes programmes, t'es bien, t'es tranquille, tu rigoles. Comme ma chaîne YouTube principale. C'est juste que les personnes qui voudront aller plus loin, les personnes qui auront des objectifs bien précis, qui auront des envies de prise de masse, qui ont des retards, qui disent par exemple, voilà, j'arrive pas à développer mes pecs, mes bras, mes jambes, mes épaules, j'aimerais plus développer avec des programmes bien spécifiques à moi, à ma morphologie. Et ben là, ce service-là, il va servir à ça. D'accord? Ou je serai associé à mon grand frère, et là on va faire des suivis, il y aura des places limitées. Parce que bien entendu, si j'ai 100 personnes, comment tu veux suivre 100 personnes? Si tu fais les choses bien, voilà, ce sera limité, ce sera un service en plus que je vais mettre en place très prochainement. Mais pour l'instant, je préfère alimenter ma chaîne YouTube secondaire, histoire d'être bien. Au niveau de la chaîne YouTube principale, ici, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, il y aura des story time, des concepts où je suis assis là, je te parle. Des événements de ma vie et tout, des trucs drôles. On va rigoler, on va se mettre bien, on va être posé. Il y aura aussi des vlogs, d'accord? Parce que je sais pas si je l'ai dit là ou non, j'ai dit sur Instagram. J'ai un iPhone 14 maintenant, tu vois? Avec ça, je pourrais faire des vlogs, je pourrais faire des petites vidéos cool et tout, te raconter ma vie en immersion, te montrer des choses. Parce que, en fait, toutes les caméras DJ, elles sont grosses. Et sortir avec une grosse caméra, un micro dans la rue, ça m'intéresse pas. Tu vois, vraiment, ça m'intéresse pas. Et du coup, avec mon iPhone 14, ça sera plus simple, ça sera beaucoup plus simple. Parce que l'iPhone 14, il a une bonne qualité, quand même, il fait les choses bien. Donc voilà, je pourrais te montrer des choses et on pourra rigoler. Et on pourra faire du contenu plus en immersion, sachant que le vlog, c'est un contenu qui marche très bien. Donc on va faire des vlogs. Il y aura aussi tout ce qui est conseil muscu, ok? Conseil muscu, mes entraînements à moi en immersion complet, je vais les faire sur cette chaîne YouTube-là. Parce que on a une chaîne YouTube muscu. Donc, il y aura quand même les conseils muscu, si j'ai des exercices à présenter, si je trouve des nouvelles machines, si je trouve des nouveaux trucs, eh ben, ça sera sur cette chaîne-là. La chaîne, elle va pas changer. C'est pas, hey, c'est bon, Dame Jordan, il arrête le fitness. Non, c'est ça. On continue, d'accord? C'est juste que les programmes, on les décale.
Mais tout ce que tu as vu, tous les concepts que tu as vu ici, que je continue, et ben je vais les continuer. Il y aura juste des nouveaux trucs, mais les trucs ici que tu as vu, ben vont rester, mis à part les programmes. En tout cas, j'espère que j'ai été clair au niveau de cette chaîne YouTube-là et la chaîne YouTube secondaire, que j'étais clair sur tous les projets qui vont venir, sur toutes les choses que tu vas voir. Moi, si tu veux un petit ressenti que j'ai, je suis vraiment pressé. Pressé de faire du contenu, pressé de faire les choses bien sur cette chaîne-là et la chaîne secondaire. Pressé de te sortir beaucoup de contenu sur la chaîne secondaire afin que la chaîne elle tourne d'elle-même et qu'on arrive à 1000 abonnés parce que c'est important. Et puis voilà, si tu veux savoir, moi, au niveau de mon état d'esprit, ma prise de masse, c'est dur. C'est dur de fou. Parce que là, tu vois, je bosse beaucoup. Là, je vais au travail tout à l'heure, je bosse beaucoup. Je fais beaucoup d'heures. Je donne mon temps dans mon taf parce que j'ai besoin de thunes. Donc, on travaille des jours en plus. Au niveau de mes tournages avec mes clients, j'en enchaîne pas mal parce que j'ai besoin de thunes aussi. Donc, voilà, très peu de jours de repos, aucun jour de repos, j'ai envie de te dire, parce que mes jours de repos, je bosse sur mes deux chaînes YouTube et j'arrive à aller à la salle. D'accord, ça veut dire que je suis très organisé. J'arrive à aller à la salle, j'arrive à travailler dur, je ne me repose pas. Mais je sais que c'est un état d'esprit qui ne pourra pas me suivre tout le temps, d'accord? Donc je profite d'avoir un mental de guerrier et de le garder le plus longtemps possible, histoire de réaliser tous mes projets le plus rapidement possible, ok? Parce que c'est important. Là, en fait, sur mes séances à la salle, elles sont très courtes. Je dois m'adapter au niveau de ma forme, de ma condition physique avec le travail. Parce que quand tu travailles 8-9 heures, ensuite, tu vas à la salle, enfin, tu manges un peu, tu vas à la salle. Tu peux pas faire une séance de fou comme si tu n'avais pas travaillé ou comme si tu avais travaillé moins longtemps. C'est très, très dur. Sachant qu'il y a des périodes où je finis le soir, je finis tard, je peux pas aller à la salle. Donc, voilà, en fait, mes entraînements, j'arrive à les faire. Mais c'est pas des entraînements que je veux faire. C'est pas des entraînements à mon niveau. Donc, c'est dur. Et au niveau de la diète, c'est encore plus dur. Tu vois? Parce que en travaillant beaucoup... Et sachant que là, il fait pas froid de fou, j'ai pas faim. Moi, j'ai que faim quand il fait froid, malheureusement. Et là, on dirait que l'hiver, il va jamais venir. Donc, c'est très compliqué pour moi de manger plus. Je suis en prise de masse. Mais là, je m'entraîne comme si j'étais en maintien, tu vois. Au niveau de mes muscles, ça va, je suis bien. Je suis tranquille, j'ai un bon gab. Mais j'ai l'impression que je suis en maintien. Et c'est très, très compliqué. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on perd pas. Et que je continue vers mes objectifs. En tout cas, c'est tout ce que je voulais te dire pour cette vidéo. J'espère que tu as pu l'apprécier. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, n'oublie pas. Première vidéo de ma chaîne YouTube secondaire. C'est une vidéo où j'explique un peu tout. Et je peux donner des idées de programmes d'entraînement que tu veux voir. Des idées de concepts de programmes. Tu peux les mettre en commentaire de cette vidéo parce que c'est les commentaires que j'aurai le plus, d'accord? Histoire de créer mon livre d'activité, ok? C'est important. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.